Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle édition de la vidéo Get Ready With Me pour la rentrée, que ce soit la rentrée scolaire ou la rentrée au travail. J'espère que cette petite routine vous plaira, c'est ce que moi personnellement je fais pour déstresser et pour appréhender la reprise. Je vais vraiment faire cette vidéo pour vous motiver un petit peu avant cette rentrée, cette nouvelle année qui s'annonce, j'espère, meilleure que la précédente et qui s'annonce pleine de possibilités et de projets, j'en suis sûre. D'ailleurs, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé au concours de rentrée sur mon compte Instagram. Je l'ai fait juste sur Instagram cette année, mais peut-être qu'un second va arriver début septembre. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre du coup sur ce réseau parce que c'est vraiment celui où je suis le plus, vraiment l'endroit où je partage le plus, donc n'hésitez pas à venir. Je vous laisse avec cette petite vidéo de reprise pour moi également et j'espère sincèrement que ça vous plaira. Voilà, moi personnellement, vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, le rangement, c'est ce qui me fait déstresser, j'adore ça. C'est pas pour rien que j'ai fait des formations, que j'aimerais en faire un peu plus mon métier, parce que oui, ça fait partie de mon métier de responsable des ressources humaines et d'office manager, mais le home organizing tel qu'il est, j'en fais pas beaucoup pour l'instant, des prestations, j'aimerais bien. Mais en attendant, du coup, je vais m'entraîner et le faire pour moi-même. Et il me reste encore quelques cartons du déménagement ici. En fait, en vrai, c'est vraiment pas grand chose parce que c'est pratiquement que des papiers et des objets pour la cuisine. Dans la précipitation, on veut juste vider certains cartons et rendre la cuisine fonctionnelle. Donc forcément, il y a tout qui est posé et rangé plus ou moins, mais pas du tout de manière optimisée pour moi en tout cas. Donc du coup, j'ai décidé d'attaquer le placard où j'ai des boîtes de conservation. Je vais vraiment essayer d'acheter plus en vrac à l'avenir et du coup, j'ai envie d'avoir une vraie organisation. Donc là, j'essaie de bien répartir. J'en profite pour tester ma nouvelle imprimante d'étiquette que j'ai trouvé sur la marketplace d'AliExpress qui a fait une sélection pour la rentrée super complète et super intéressante puisqu'il y a des offres pour la rentrée spécialement. J'ai été livrée super rapidement en 10 jours et tous les prix incluent la TVA, donc il n'y a pas de problème de douane. Alors cette imprimante, c'est vraiment top, vous pouvez tout paramétrer grâce à l'application. Moi j'ai choisi des étiquettes transparentes mais ça existe aussi en coloré, c'est très sympa. Là j'étiquette du coup tous mes bocaux, mais vous pouvez faire la même chose si vous êtes étudiant pour vos fournitures scolaires et ça vous fait une pré-organisation avant la rentrée qui est super intéressante. Alors ici pour mes vermicelles, j'ai changé le couvercle en plastique avec du bois parce que je trouve ça beaucoup plus joli et puis j'en ai enfin trouvé chez Ikea et les contenants comme ça seront probablement dans un tiroir. Donc c'est pour ça que les étiquettes je les mets au-dessus cette fois-ci pour quand j'ouvre le tiroir je puisse voir par le dessus ce que c'est. Ceci j'avais mis ici tout simplement parce que je les mets dans une armoire étagère et quand j'ouvre j'aime bien pouvoir voir directement ce qu'il y a dessus, même si bon tous mes contenants sont en verre transparent hein, donc il n'y a pas vraiment de surprise, c'est plus une aide ou une indication de cuisson généralement. Ensuite, j'essaye aussi évidemment de me détendre et de pas faire grand chose, donc je regarde la télé, des choses qui me plaisent. Et là, il y avait mes parents qui m'appelaient, je suis très très proche d'eux, donc c'est vrai que je discute beaucoup avec eux de tout et de rien, des petits bonheurs de la vie, tout comme ce qui me stresse et ça me rassure beaucoup. Depuis que j'ai déménagé, j'ai eu la chance d'avoir une vue incroyable et c'est vrai que ça m'apaise beaucoup, donc j'en profite aussi voilà, de cette vue quoi. Le soir venu, j'essaye de me faire un repas réconfortant et là j'ai fait donc un saumon en papillote. C'est vraiment un de mes plats préférés, donc je rajoute un peu de crème et je fais chauffer des poireaux qui va vraiment apporter un goût très sympa. Je mets évidemment du sel et du poivre et la particularité de ce plat, de toute façon j'essaierai de le faire un jour en live sur ma chaîne Twitch parce que je voudrais la reprendre, un petit live cuisine, mais je fais tout cuire dans un cuiseur à riz en fait. Voilà, et après le repas je m'accorde vraiment un temps pour moi en fait, pour me préparer à m'endormir le plus tôt possible, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Du coup, je me démaquille. Je teste ma nouvelle brosse à dents que je me suis offerte pour cette rentrée justement. C'est la marque Ferrywheel, super bien notée, avec un rapport qualité-prix vraiment incroyable. Donc c'est une petite brosse à dents électrique et je trouve qu'elle est super portable, donc franchement très très pratique. Ensuite pour me détendre, je vais me laver les cheveux, prendre une petite douche. Je sais pas si vous êtes team douche du matin ou douche du soir, mais pour me relaxer, moi c'est plutôt le soir du coup. Et c'est très agréable. Alors faites pas attention aux produits que j'utilise, c'est ceux que j'ai achetés au supermarché comme ça quand j'ai déménagé. Et maintenant bah, il faut que je les termine, donc j'ai pas vraiment d'avis dessus. Mais voilà, c'est un moment agréable où après j'applique tous mes soins, mes sérums, masques, crèmes, etc.
et ça me détend et c'est propice quand même juste avant la rentrée, je trouve. Attendons que mes cheveux sèchent un petit peu et avant d'aller dormir et tout, je vais d'abord faire mon sac. En fait, moi j'en ai deux puisque je suis indépendante et du coup je travaille la plupart du temps chez moi. Et quand je vais chez le client, bah, j'ai toujours mon ordinateur à transporter, donc je suis obligée de prendre mon sac à dos en fait pour prendre le train, genre le Thalys et tout pour aller à Paris, et plus mon petit sac à main. Donc je suis assez chargée, la plupart des gens n'ont pas besoin d'autant. Évidemment, je prépare la veille aussi ma tenue. Cette année ça va être très simple, c'est une chemise que je porte assez souvent en vrai. Elle fait son effet un petit peu habillé parce que c'est quand même une blouse quoi, mais légèrement colorée et pas trop grâce à un petit motif fleuri. Et en dessous je vais mettre un pantalon noir tout simplement. Je vais poser ça sur mon siège, je vais aller chercher un pantalon noir. Et c'est tout pour la tenue, pour les chaussures je pense que je vais juste mettre des petites bottines parce qu'il fait pas très très beau quoi. Mais au moins je serai confortable, ce sera très bien. En ce moment je mets vraiment des mini sacs pour mes propres sacs à main. Et là je vais probablement prendre celui-ci qui est le mini madame de chez Delvaux, qui est magnifique. C'est un sac de couleur claire qui va facilement avec tout, il est vraiment pratique, on peut le porter en bandoulière etc. Donc ce sera mon sac et maintenant on va aller faire mon sac à dos en fait avec mon ordinateur. Le sac à dos que je traîne depuis quelques années en vrai maintenant un peu partout quand je pars en voyage et tout parce qu'il est vraiment super pratique, c'est ce sac à dos de la marque Kaden, je sais pas comment on dit, bref, qui coûtait vraiment pas très cher. À la base c'est un sac à dos pour les caméras, c'est pour ça qu'il s'ouvre comme ça. Vous avez une pochette pour les ordinateurs, donc ce format-ci de sac c'est ok pour tous les ordinateurs jusqu'à 13 pouces, 14 même. Un MacBook Pro 13 pouces du coup et que je viens ranger tout simplement ici, voilà. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même toujours de la place sur les deux côtés sans problème. Donc je vous dis, un 14, je pense que ça rentre sans gros souci. Pochette à l'avant qui est bien pratique. Il faut vraiment que je nettoie par contre un peu le sac quand même. Et à l'arrière, évidemment, c'est renforcé avec les lanières qui sont vraiment très confortables. Enfin, franchement, c'est un sac que j'apprécie énormément. Un des essentiels de sac à dos, de sac de travail, c'est cette petite gourde Thermos de la marque Xiaomi qui est blanche, mais je crois qu'elle existe aussi en d'autres couleurs. Et franchement, elle est super. Déjà, c'est un design très minimaliste et moi, je trouve que c'est très très joli. Vraiment très bien. Vous la remplissez comme ça. À l'intérieur, c'est de l'acier inoxydable, hein, c'est classique. Mais la qualité est vraiment top, j'en suis vraiment très contente. C'est assez léger aussi, ça c'était important. Quand on a beaucoup de trajets quand on va au travail, il vaut mieux pas trop se charger non plus quoi. Donc voilà. Et puis c'est l'heure d'aller dormir, même si la nuit passe toujours très vite. Les veilles de rentrée, on dort jamais super bien, mais c'est pas grave en vrai. Mais par contre, j'avoue que le matin, j'ai un peu du mal à émerger. Quand c'est comme ça, je pense que c'est un petit peu le stress quand même. Mais il faut accepter que ce soit normal. Donc je prends mon temps et puis je vais venir me préparer quand même. Et la première fois que je filme dans cette pièce qui n'est pas encore rangée, parce que j'attends mes petites boîtes d'organisation. Vous savez, j'adore utiliser les séparateurs de tiroirs et tout. Et aujourd'hui, il fait quand même une luminosité assez dingue, j'ai du mal à ouvrir les yeux. Mais c'est le jour de la rentrée, donc on va se préparer. Déjà, je vais m'habiller et pas rester en tenue de maison comme ça. Et puis, on va un petit peu retrouver la forme grâce au maquillage, parce que là, j'ai les tout petits yeux. Je viens d'appliquer quand même mes soins. Ça, je l'ai fait hors caméra, sinon ça prend trop de temps. Et je vais en profiter pour vous partager quand même mon maquillage du moment. C'est un truc tout simple et ça regroupe plusieurs petites techniques que je vous ai déjà partagées. C'est juste que c'est le maquillage que j'aime bien appliquer en ce moment et je trouve qu'il me met bien en valeur, donc je vais vous montrer ça rapidement. Je suis enfin habillée. Je crois que je suis un peu loin parce que c'est vraiment la première fois que je filme dans cette pièce et j'ai pas encore l'habitude en fait de comment cadrer etc. Donc je suis désolée d'avance, ce sera mieux dans des prochaines vidéos évidemment. Je vais commencer par mettre la base en fait du fard à paupières. J'utilise toujours le Rosy Happiness de chez Essence qui est un fard crème comme ça un petit peu en stick quoi. Bon, j'espère que j'ai pas trop zoomé maintenant, je pense que c'est quand même un peu mieux. Et donc je viens appliquer mon petit crayon à sourcils de chez Urban Decay, des fards plutôt donc rosé neutre. Donc je vais utiliser le rose irisé au niveau vraiment de l'entièreté de la paupière mobile, le rose doré irisé que je viens placer juste ici pour porter vraiment de la lumière. Ensuite je retourne mon pinceau et aujourd'hui je vais pas mettre le bordeaux, d'habitude je mets beaucoup le bordeaux. Là je vais juste faire un mélange entre cette couleur-ci et le brun. Pour pas avoir quelque chose de trop foncé, prendre un pinceau estompeur
bah surtout pour ce côté là où j'ai quand même fait pas mal de tâches. Je vais en prendre mon eyeliner, c'est le Dior Show On Stage Liner, c'est celui qui est en version waterproof. Mais j'avoue qu'il met beaucoup de temps à sécher et du coup c'est pas très pratique. Hop là. En fait ma touche couleur c'est l'ombre l'ombre hypnose stylo de chez Lancôme. C'est un fard crayon encore une fois. Je viens juste l'appliquer au dessus de mon liner en fait pour apporter cette touche colorée. Donc c'est très facile. Voilà. Comme ça. Bon évidemment ça c'est pas trop un maquillage pour les cours hein, parce que c'est... Moi je trouve que c'est trop pour les cours. Mais depuis que je travaille, je me permets parce que voilà la vie est courte, je pense qu'on fait un petit peu ce qu'on veut. Alors je vais en prendre mon indispensable anti-cerne également qui est celui de chez Makeup Forever, c'est le full cover parce que moi j'ai vraiment des cernes extrêmement, extrêmement foncées comme vous pouvez le voir. Et là je vais pas mettre de mascara parce que sur moi ça tient pas et en fait... Il y a une période où je mettais beaucoup de faux cils, vous le savez. Mais la colle à faux cils, ça abîme quand même l'aura de mes cils. Donc c'est pour ça que je le fais beaucoup moins. Sinon, quand j'aime bien faire mon teint, j'utilise juste ça. C'est la BB crème au ginseng sous forme de stylo. J'adore ce genre de produit, vous l'aurez compris, sous forme de stick et tout, c'est trop pratique. Ce que je fais pour l'appliquer quand j'ai besoin d'un peu faire mon teint, mais je le fais très peu, je mets très peu de blush, etc. Parce que de toute façon, en fait, avec le masque, quand je dois prendre les transports, ça s'accroche en fait. C'est pas très agréable. Pareil, je mets plus du tout de rouge à lèvres du coup. Par contre, ça m'arrive de mettre l'eau à lèvres comme ça de chez Clarins, qui donne une petite teinte en fait. Voilà, et c'est plutôt sympa, j'avoue. Je vais venir prendre un pinceau. Synthétique comme ça juste pour estomper ce que je viens de faire avec la BB crème. C'est juste plutôt pour unifier le teint qu'autre chose. Voilà, ça donne un glow aussi. Donc voilà le résultat. Franchement une fois qu'on a pris le coup de main ça se fait en 5 minutes donc c'est très rapide et moi ça me permet d'avoir quand même meilleure mine que sans. C'est en fait mon maquillage qui me donne confiance chaque jour sans problème. Et c'est pour ça que je me maquille, mais c'est aussi un plaisir voilà, de travailler avec les fards. Vous savez que je collectionne des palettes de fards à paupières, évidemment c'est pour les utiliser, sinon ça ne sert à rien. Je vais descendre déjeuner, je sais pas si je vais vous filmer ça. Il est un petit peu tard et j'ai pas envie d'être en retard, donc je vais me dépêcher. Après le petit déjeuner, évidemment, je viens me brosser les dents à nouveau. Et je check dans le miroir que je suis bien coiffée, que je suis prête quoi. Avant de partir, je prépare rapidement mon déjeuner. C'est une de mes nouvelles résolutions pour manger plus sainement. Donc là, je fais des spaghettis de concombre. Et mon secret, c'est cet éplucheur à légumes qui est super. Je vous mettrai le lien. Ça permet très facilement de réaliser ces petits spaghettis. Je rajoute aussi une petite sauce pesto avec un peu de parmesan pour le goût. Mais c'est vrai que je me rends compte que je ne l'ai pas filmé. Je coupe également les concombres restants en lamelles et je le mets dans mon petit bento que j'ai trouvé également sur AliExpress. C'est une boîte qui passe au micro-ondes et qui a un séparateur. Donc on peut faire des vrais bento. Là je prépare une petite entrée avec du concombre encore et du houmous et en guise de dessert une petite clémentine. J'attache le tout avec un élastique pour bien faire tenir le tout et je viens glisser ça dans le sac isotherme qui est fourni avec, qui est très grand, donc je peux mettre aussi d'autres couverts. Donc trop pratique, je suis trop contente de cette trouvaille. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que j'ai oublié de vous montrer la phase petit déjeuner avant de me brosser les dents, mais bon, je mange de manière plutôt saine le matin. J'essaye de reprendre une routine saine aussi au niveau alimentaire, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. D'ailleurs certains ont remarqué que j'ai perdu un petit peu de poids. C'est dans cette optique voilà, d'être une meilleure version de moi-même, d'être en meilleure santé, je trouve que c'est important. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'encourager en laissant un like si c'est le cas, vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie d'avance pour tout votre soutien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à bientôt.